Et bonjour à toutes et à tous, c'est Trigero, je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième truc info. Aujourd'hui donc, je le sors un petit peu en avance, une semaine en avance, parce que j'ai des vacances qui approchent, du coup je vais vous expliquer un peu tout ce qui va se passer pendant les vacances sur la chaîne, et aussi vous expliquer l'actualité des séries en général, l'actualité de la chaîne en général, voilà. Donc on se retrouve pour la première catégorie et l'actualité de la chaîne en général. Et donc, pour l'actualité de la chaîne, pas grand chose à dire, mis à part que il va y avoir beaucoup de vidéos Minecraft les deux semaines à venir. Parce que vu que Fitzel saison 2 a été lancé, je m'investis beaucoup. J'ai déjà tourné 4 vidéos dessus, alors que ça va revenir depuis moins d'une semaine. C'est déjà beaucoup, d'ailleurs il y en a déjà 2 qui sont publiés. Ce qui est déjà beaucoup. Normalement avec Nana on devrait terminer Forgotten Land bien normalement avant que je parte en vacances. Puis ensuite il y a bien entendu la nouvelle série qui va arriver. Les Simpsons, bon entendu ça va continuer. Faut que je vais sortir l'épisode 5 d'ailleurs parce que ça commence à dater l'épisode 4. On a tout ça avec Fizzy Season, je ne sais pas trop. Et on a Inferno, bon. Inferno, je vous en reparlerai après parce que c'est un peu compliqué pour cette série là. En tout cas, je vous préviens que les vidéos sur Minecraft vont beaucoup s'accélérer. Donc surtout du Forgotten Land et du Fitziel. Et il y aura aussi un peu plus de Simpsons et Tannant, je pense. Donc laissez les deux autres séries de côté. Donc je vous retrouve pour l'actualité des séries de la chaîne. Et donc pour l'actualité des séries, donc on a bien entendu le gros événement de Fitziel saison 2 qui a repris. Je vais pas vous parler maintenant de Fitziel saison 2, on en parlera un peu à la fin. Déjà, je vais vous parler donc de Men of War. Je crois qu'il n'était pas terminé à l'époque où j'ai fait le truc info numéro 2. Non. Donc, ça y est, Men of War est définitivement fini. Il y aura peut-être une sorte de saison 2 sans Men of War, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Ça va être remplacé normalement pendant mes vacances par une autre série sur un autre jeu avec Nadal. Donc c'est sur un bon petit jeu bien. C'est un peu rétro même s'il est récent. Voilà. On a ensuite Forgotten Land, comme je l'ai dit dans la précédente rubrique, on va la terminer avec Nadal. On devrait la terminer avec Nadal dans les semaines à venir. Ouais, normalement dans cette semaine là on est censé terminer Forgotten Land. De tourner en tout cas, après je verrai comment je vais me débrouiller pour y diffuser. Ensuite, j'essaie de trouver les séries. Je ne sais plus quelles séries sont en cours sur ma chaîne, c'est génial. Les Simpsons, sont dans le micro. Donc, les Simpsons, qui vont, comme je l'ai dit, un petit peu s'accélérer. Je vais essayer de sortir plus d'épisodes parce que là, ça fait déjà 2 semaines que le précédent épisode est sorti. Ça fait un peu longtemps, donc je vais essayer d'en sortir un peu plus parce que je vais le terminer en tout cas le jeu, puis le jeu fait bien 30 épisodes, ça c'est moi qui vous le dis. On a quoi? On a Inferno Minds, alors Inferno Minds je vais la mettre un peu en stand-by. Un peu en stand-by en fait, parce que Inferno Minds, j'ai plein d'épisodes d'avance, c'est sûr, des épisodes qui datent de quand j'ai perdu ma connexion internet, ça date de fin mai, alors là on est début juillet, je les ai toujours pas diffusés. Ce qui est Inferno Minds, je prends pas le temps de les diffuser. J'avais le temps avant, quand Fitziel saison 2 n'était pas encore lancé. Le problème, c'est que après l'épisode 3 de Forgotten Land, j'étais censé sortir l'épisode 5 de Inferno Minds, parce que Fitziel s'est lancé. Du coup, j'ai sorti l'épisode 1 de Fitziel à la place d'Inferno. Donc, du coup, là, Inferno ne peut pas venir. D'ailleurs, je vais vous dire combien il y aura après les vidéos qu'il y aura cette semaine. Donc, Inferno ne peut pas sortir. Du coup, je la mets un peu en stand-by. Il y aura, bien entendu, des épisodes de temps en temps. Bon, je verrai, hein, mais normalement, elle va se terminer aussi jusqu'à mon rush-kit ou jusqu'à la fin de la map, je verrai. Donc, voilà. Et donc, aussi, le grand événement Fitziel saison 2. Alors l'accueil que vous avez fait à la série, c'est juste énorme, hein. La fin de la série vous avez énormément plu, mais le début de la saison 2 vous plaît encore plus.
Normalement je devrais live, hein. Parce que le live sera déjà passé, mais bon, normalement je devrais live sans plus tarder. Comme j'ai dit, dans l'épisode 1 de FitDL, ça sera pas seulement des épisodes que je filmerai et tout, comme l'épisode 1, et dans l'épisode 2 et 3 d'ailleurs, ça sera des best-of, des fois de quelques. Peut aller de 10 minutes à 3 heures, jusqu'à une semaine passée sur le serveur. Ça peut être des rediffs de live en entier, ça peut être des condensés de live, ça peut être des trolls aussi, ça peut être des pranks, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, vous verrez, justement, il y a déjà le premier best-of qui a été diffusé, et puis le premier épisode qui a été diffusé. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il allait y avoir plus de vidéos sur Minecraft, parce que ça fait déjà, là, ça fait déjà 3 vidéos sur Minecraft que je sors à la suite. Hein. Puis j'aurais sorti le phénomène, sans plus, on aurait fait 4 vidéos à la suite, ça aurait fait un peu trop. Voilà, ça faudra vous attendre, parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur FitDL, je vais essayer la privilégier par exemple pour le phénomène, ce que j'ai laissé un peu de côté. Je vous ai dit, les vidéos que je vais essayer de privilégier, c'est les Simpsons, Forgotten et les FitDL. Et peut-être, par exemple, de sortir, je pense, ça va faire Simpsons, FitDL, ça va faire FitDL, Forgotten et Simpsons. Et en dernier, soit de la nouvelle série qui va arriver, soit d'Inferno Minds en fait. Une fois sur deux, je peux alterner avec les autres. Bon, on verra bien comment je pourrais faire ça. Avec le truc info, bien entendu, qui viendra se caser normalement tous les mois. Même si le truc info numéro 2 est sorti il y a un peu plus de 3 semaines. Et pas il y a un mois. Voilà. Et donc, normalement, pour les vidéos qui sont censées à venir, après, bah, il y a le best-of qui est sorti aujourd'hui. Demain, enfin, le lendemain, là, demain pour moi, je compte ce truc info, il est censé avoir, bah, censé sortir. Non, après ce truc info, bah, un épisode des Simpsons. Sûrement le deuxième épisode de FitDL. Et sûrement un épisode de Forgotten Land 2. Je pense, je vais faire comme ça. Vous voyez, je peux pas sortir d'épisode d'Inferno Mind, ça c'est pas possible du tout. Voilà, et donc je vous retrouve dans la dernière partie où je vais vous parler de mes vacances. Mais même si je vous ferai une vidéo spéciale pour ça, on se retrouve pour la dernière partie. A tout de suite. Et donc pour cette dernière partie du truc info, mes vacances. Alors les vacances, je partirai 2 semaines, du 20 juillet au 2 août. Je serai en vacances du 20 juillet au 2 août. Je vous laisserai pas sans vidéo, bien entendu. Normalement, donc, bien entendu, comme je l'ai dit avant, il y aura une vidéo annonce spéciale. Normalement, le 20 juillet, il y aura une vidéo annonce spéciale pour vous dire que je suis en vacances et pour vraiment vous dire le planning des vidéos. Mais normalement, il y aura une vidéo tous les 2-3 jours. Hein. Ça, c'est sûr. Je pense. 2-3 épisodes de Forgotten Land. Enfin, il y aura 2 épisodes de Forgotten Land. 1 ou 2 épisodes de la nouvelle série. 1 ou 2 épisodes des Simpsons. Inferno Minds 0 ou 1, ça dépend. Puis FitDL, il y en aura 1 ou 2. Ça, je verrai, hein, tout simplement, si j'ai le temps. Enfin, je pense que ça va se faire comme ça. Même si là, donc Forgotten, ça c'est en tout cas, ça peut vous dire les séries que vous aurez sûr et certain dans les vacances. Ça sera les Simpsons, Forgotten Land, la nouvelle série. Ça, c'est 3 séries que vous aurez au moins pendant mes vacances. Mais Inferno Minds et FitDL, je peux pas le garantir. Parce que Inferno Minds, peut-être j'aurai pas le temps de la caser, mais FitDL, j'aurai peut-être pas le temps de tourner les épisodes. Donc voilà. Donc, ce truc info est terminé. Il est un peu plus court que les autres, mais bon, il y avait moins de choses à dire et tout. Donc, comme je vous le dis pour mes vacances, il y aura une vidéo annonce pour vous dire quand est-ce que je partirai en vacances. Quand est-ce vraiment quelle vidéo sortira pendant mes vacances. Donc voilà, donc sur ce, on se retrouve normalement dans 2 jours pour l'épisode 5 des Simpsons Hit and Run. Allez, ciao tout le monde.